Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va revenir sur Fermus sur notre tour de l'Europe et donc on va continuer nos petits trajets tranquillou. Hein. Donc, en carrière, on était arrivé ici. Donc, ben, on va repartir de par là. Donc, ouais. J'avais presque l'intention de faire un truc. On va voir. On va voir comment on va faire. Allez, c'est parti. Alors, on supprime ce trajet-là. Ok, on fait un nouveau. Donc, hop. Dresden, Prague. Salut Stéphane, comment tu vas? Ça va, ça va. Alors, attends, que je retrouve. Cassel. Voilà, on était arrivé ici. Non, même pas. Attendez, on a fait Cassel. Et après de Cassel, on était où? Ah bah mince alors. Où c'est que... Attends, il me semblait que c'était ici qu'on a été. Luxembourg. Luxembourg est là. Cassel. Ah, alors là, semblait qu'on avait été ici. Attendez, je vais regarder un truc parce que là, je vais regarder sur l'ancienne vidéo parce que là, je comprends pas trop ce qui se passe. Parce que normalement, on était arrivé à cet endroit-là. Attendez, je vais regarder parce que là, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, le studio. Donc c'est celle-là. Et donc... Alors attendez, on sera arrivé. Alors attendez, Cassel est là. Alors, j'ai dit Cassel est là. D'accord, ok. Ah, on est arrivé ici, voilà. Donc, on repart d'ici. Excusez-moi, je croyais que j'étais arrivé ailleurs, mais non. Alors, on repart d'ici. Et on va aller... Alors, je me réinstalle. Et on va aller... Luxembourg, ça fait à peu près
Je voudrais faire quand même un peu de route quand même. Ah ben ouais, aller à Strasbourg. Comment ça se fait que Strasbourg n'est pas débloqué? Je n'ai pas débloqué Strasbourg. Ben écoutez, on va aller à Strasbourg. C'est pas grave. Oh, alors là, ça va nous faire des kilomètres. Hein. 433 kilomètres. Bon, mais on est parti pour ça. Pourtant, il me semblait que Strasbourg, je l'avais laissé de côté. Bon, écoutez. Hein, puisque c'est comme ça, on fait ça à retour, sauvegarder. Suivant. Réaliste. On part avec ce bus-là, parce que j'aime bien ce bus. Franchement, c'est un très bon bus. Elle où la sortie? Ouais, elle est là. D'accord, ok. Allez, go! On monte dedans. Alors, la cuisine, la wifi, les toilettes, la destination, la lumière. Bien sûr, j'ai oublié quelque chose. Ah, ça va mieux marcher. Allez, go, on est parti. Alors, direction Strasbourg. Hein. Il était pressé, lui, avec son taxi, là. Alors, il veut nous sortir un nouveau DLC là sur Fernbus. J'ai vu ça. Faudra écraser un certain nombre de canards. Quand on verra des canards sur la route, faudra les écraser. Alors, je sais pas. Il est annoncé, mais je sais pas pour quand. Donc, je sais pas. Faudra que je fasse des recherches un peu ça sur ce DLC là où on doit écraser des canards. Et plus vous écrasez de canards, plus vous gagnez de l'XP. Donc. Ah, j'ai pas réussi à garder mon sérieux, c'est pas possible. Non mais ça c'est. L'XP ne sert à rien. Bah ouais mais. Je suis plié de rire. Je vais me faire des copains encore là. Ah là 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 là. En plus, je ne vois pas le rapport de faire des trajets pour écraser des canards. Je t'expliquerai plus tard. Je vais t'expliquer. Enfin, j'ai ma petite idée maintenant. Ah, mais tiens ta petite idée alors, ouais, c'est bon. Non, non, c'est une connerie, ce DLC. Vous inquiétez pas, c'est une connerie que j'ai.
Vous comprendrez, si vous lisez les commentaires, vous allez comprendre. Aïe, aïe, aïe. Ouais, faut que je rentre là, moi. Justement, je viens de comprendre. Hey, ça c'était à prévoir. Eh ben, on va avoir le droit à un tour gratuit, hein, parce que là, ils me laisseront pas tourner. Comme c'est moi qui bloque la circulation, c'est mort. Donc on va aller faire un tour gratuit, on va aller faire demi-tour quelque part. Puis on va essayer de s'enquiller dans la file, là, pour pouvoir... Faut que je trouve un rond-point pour faire demi-tour, par contre. Ouais, mais là, c'est pas bon là. Je sais pas où j'ai, mais je sais pas où j'ai, mais là, c'est pas bon du tout, du tout, du tout, hein. Ah ouais, non, mais là, ça va pas, ça. C'est parce que tu cherches le canard jaune. Ouais. Là, va falloir que j'arrive à faire demi-tour quelque part. Hein. Parce que là, je suis parti faire le trajet, mais à vide. Ils ont pas calculé que j'ai pas été chercher mes passagers. Là, faut que je trouve un coin pour faire demi-tour. Hein. Peut-être un trajet sans passager. On va le faire à l'arrache. Allez-y, passez, vous, là. Voilà, allez, c'est bon, on est reparti.
Allez, go! Ouais, t'as un peu la bourre maintenant. Hein. Allez. Voilà, ça s'est pas trop mal passé. On va dire que c'est pas trop mal, mais bon, ça a été un peu chaotique, comme dirait l'autre. Allez, on ouvre la porte. Passagers demandent le remboursement de leur ticket si tu es en retard. C'est pas grave. Ça, je m'en fous, ça me sort pas de ma poche. Tiens, est-ce que tu lui dis que tu vas être remboursé et puis que tu vas monter dans le bus, ben tu vas rester là. Hein? Voilà. T'as cherché. Hein, Julien? Tu vas rester dehors pour la peine. Je t'emmène pas. T'auras pas les petits croissants dans le bus. Ça va cette fois-ci, il fait bon, il ne pleut pas. Ouais, mais il fait chaud. Voilà, mais tu restes dehors. Je m'en vais sans toi. Hop là. Ah, tu vois, tu veux jouer au courant avec moi. Hein? Regarde, hop là. Au revoir. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel. Toi, tu restes là. Je t'emmène pas. Hier ein paar voilà, tant mieux pour toi. Tu réfléchiras avant de parler. Flixbus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Je prendrai le prochain bus du Canard Jaune. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen. Allez, go. Und Infos zu unserem Snack und Donc, du coup. Deine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt... Allez, direction Strasbourg! Avec une pause? Ah oui, identification.
Identification, c'est fait. Ouais, j'ai une pause à faire à 14h25. Ok. Hey go, c'est parti. En voiture, Simone. Alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unsere lui, il a les roues bloquées, il roule quand même. Für Feedback zu eurer Fahrt, nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. So casse-pied. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout. En plus, the WW, une voiture en W. Il y a longtemps que ça n'existe plus, les voitures en W pourtant. Ouais, mais avec les nouvelles plaques, peut-être qu'il y en a qui le font. J'en ai eu quelques-unes, des voitures en W, moi. Simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with. Les anciens sauront ce que ça veut dire quand vous avez des voitures en W. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download. J'en ai eu combien en W? Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq en W, j'en ai eu. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, arrête de reculer. Ah oui, c'est vrai que ça emporte. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Enfin, ça fait du bien quand il s'arrête lui, hein. Hey, go. Allez, direction Strasbourg. Alors, je sais pas par où il va me faire passer. S'il me fait passer par des petites routes ou si on doit prendre de l'autoroute, je sais pas, mais sûrement de l'autoroute, hein, mais je pense qu'on va faire un peu de petites routes avant. Moi, je suis limité à 80, c'est bon. Allez, on peut y aller. Allez, go. Je roule un peu vite quand même. Allez, on met le régulateur de vitesse, tranquille. Alors, dans l'Uberjack, je suis actuellement en train de faire pas mal de missions pour essayer d'avancer un peu dans le jeu avant de vous refaire des vidéos dessus. Donc, je suis en train de faire les missions, je suis en train de faire des planches de bois parce que j'ai acheté des forêts et le problème en achetant les forêts, ben, c'est que je peux pas les replanter pour l'instant. Donc, ben, je continue à faire des planches de bois pour essayer d'acheter l'exploitation de Tonton. Voir si ça débloque pour que je puisse acheter après la planteuse et pour avoir des plans pour replanter les forêts. Donc, à l'heure actuelle, je suis avec trois forêts que je tourne. Donc, j'ai des planches qui sèchent et je les amène pour les vendre pour essayer de payer Tonton pour voir si ça débloque la planteuse. Parce que la planteuse,
Et la rognureuse de souche ne peut pas l'acheter. Enfin, je peux pas l'acheter. J'ai même pas l'option à acheter quand je passe dessus. Et après, je vais sûrement refaire des vidéos dessus à partir du moment que je pourrai déjà acheter cette planteuse. Déjà, quand je vais passer, que je pourrai l'acheter, à ce moment-là, je reprendrai les vidéos pour vous montrer la planteuse, bon, vous montrer tout ça, parce que bon, j'ai récupéré une remorque à grains aussi. Voilà, il y a des choses qui ont changé quand même un peu dans le jeu, mais bon, voilà, le truc c'est que bah, pour le moment, je suis un peu coincé. Donc, si c'est pour que vous me voyez couper des forêts, aller foutre les légumes dans le fleuve, pour que ça arrive à la scierie, que ça les mette en planche, que si je les mets à sécher, que je dorme pendant 7 jours, que je reviens, je refais ça. C'est au moins la deuxième fois que je fais sécher les planches. J'ai fait 6 voyages de planches séchées déjà. Donc j'en ai encore 6 à faire là qui sont en train de se préparer. Donc voilà, si c'est pour faire que ça, je pense pas que c'est intéressant pour vous de me voir couper, mettre dans le fleuve, sécher, livrer, faire que ça. Donc je voudrais essayer d'avancer jusqu'à temps que j'arrive déjà à payer tonton son exploitation. Je lui dois encore 242 000 euros. Donc ça monte tout doucement, hein, oui, ça monte, mais là, le problème, c'est que je suis un peu bloqué pour faire les plantations. Je peux, voilà, je galère un peu. Alors, je fais les missions, je fais ça, j'essaie de. Donc, mon objectif à l'heure actuelle dans le jeu est de que je dois payer tonton. J'ai pas d'autres objectifs à faire en attendant. Donc, tant que j'ai pas payé tonton, tant que je lui ai pas donné ses 240 000, je pense que je suis bloqué comme ça. Donc, pour l'instant, j'avance de mon côté et dès que j'aurai l'argent pour payer tonton, que j'aurai payé tonton, ou juste avant, quand je verrai que j'ai assez d'argent pour payer tonton, je me remettrai en vidéo, on ira payer tonton ensemble et on ira voir si cette fameuse planteuse est débloquée. Donc, voilà. Pour ce qui en est de Lumberjack, pour ce qui est de Farmer Dynasty, alors Farmer Dynasty, je pense pas que je repartirai dessus en vidéo, déjà ça c'est sûr. Parce que bon, comme vous savez, il y a des jeux que j'attends comme Tomb Raider, Astrobot, là dans 2 semaines il y a Truck Alaskan qui arrive. Après, sûrement que je vais commander aussi le jeu Fourmise. Donc voilà, il y a pas mal de jeux qui vont arriver à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Pas mal de jeux que va falloir que je me mette à précommander. Donc ce jeu-là, on va le laisser de côté. Après, bon, je ferai peut-être des vidéos sur d'autres jeux que je vous ai pas présentés, ni rien que j'ai rien fait dessus. Par exemple, j'ai toute la collection des Lego. J'ai le Lego aussi Skywalker. J'ai tous les Lego de la PS4. Et donc, c'est ça à faire aussi. Il faudrait que que je lui mette un petit peu dessus. Mais bon, voilà. Je voudrais me remettre sur Hogar Legacy aussi. Parce que voilà, il y a la mise à jour qui arrive au mois de juillet ou au mois d'août. Et je voudrais me remettre dessus pour pouvoir avancer. Donc, ouais, vous voyez, c'est un petit peu. Je suis un peu bloqué et tout en continuant mes vidéos sur Fernbus. Donc voilà, faut que j'arrive à programmer tout ça. Parce que ça, en plus, truc à Lascan, ça se trouve, je vais vous faire des vidéos suivies. Alors je sais pas si je vous fais des vidéos suivies dessus ou pas. Parce que si les missions repop. Une fois qu'on a livré, que c'est par exemple la remorque, vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce que ce serait intéressant de me voir tout le temps rouler et faire que ça? Peut-être, je sais pas. Je sais pas trop pour l'instant comment je vais me goupiller. Déjà, c'est sûr que déjà le 11, prenez le rendez-vous, que déjà dès qu'il est disponible, je le mets à télécharger. Et dès qu'il est téléchargé, je pars directement. On viendra sur Twitch directement dessus. Donc, par contre, est-ce qu'elle sortira à 8 h sur YouTube? Je pense que ce sera peut-être un peu juste. Ce sera peut-être un peu juste.
Donc voilà. Après, bon, ben voilà, comme je vous dis, je ne sais pas si comment ça va se passer au niveau des vidéos de trucs à l'escan. Parce que si c'est des missions toujours les mêmes qui repopent, je ne sais pas si ça serait intéressant que vous me voyez toujours faire, par exemple, je pars de Fairbanks, je prends une remorque. Si je reviens à Fairbanks, que la remorque sera encore là, vous aurez bien l'occasion de voir cette vidéo, cette cargaison. Dans une vidéo future ou un jour que je tomberai dessus. Je sais pas. Je sais pas comment ça va procéder. Voilà, donc pour ce qui est de trucs à l'ascan. Après, Hogar Legacy, je sais pas si je vous ferai des vidéos dessus, parce qu'il y a pas mal de vidéos dessus, donc je vois peut-être pas l'intérêt de faire ça. Après, je verrai, j'avais commencé, hein, je sais que j'ai commencé à vous faire quelques vidéos dessus, mais bon, après, je vais vite arrêter, parce que je suis parti sur d'autres jeux que j'avais à faire. Donc, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Pour l'instant, je suis un peu dans le foot. Le flou total par rapport à tout ce qui je dois prendre en commande et en précommande et donc voilà. Donc à part contre je sais pas, j'ai vu que Truck Alaskan apparemment il sortirait peut-être en boîte. Donc je sais pas parce qu'il y a une personne qui a demandé s'il sortait en boîte. Il y a quelqu'un qui a répondu qu'apparemment c'est possible. Mais il y en a même un qui a demandé. Quelle est la date de la sortie en boîte de Truck Alaskan? Alors, je sais pas s'il sort vraiment en boîte ou pas. Peut-être des personnes auront l'info de me dire si ça sort en boîte ou pas. Parce que s'il sort en boîte, moi je préfère le prendre en boîte. Quitte à attendre, allez, 2 3 jours de plus, j'aimerais autant l'avoir en boîte. Après, je vais voir. Je vais voir si vraiment il sort en boîte ou pas. Parce que j'arrive pas à trouver comme quoi il sort en boîte. Hein. J'ai regardé. Il n'y a que sur le store PS5 Xbox qu'on le trouve pour les consoles. Après, PC, c'est sur Steam, tout ça, tous ces trucs-là. Mais en boîte, je ne le vois pas. Donc peut-être quelqu'un a des infos comme quoi s'il sort en boîte ou pas. Alors j'ai dit que c'était à quelle heure qu'il fallait que je fasse ma pause moi? 14h25. Bon, on la fera dès qu'on verra. Enfin. Pas tout de suite, hein, mais quand on verra un air de repos, on ira la faire, cette pause. Alors, sur anciennement Twitch, j'ai vu aussi que pour Truck Alaskan, hein, parce qu'on va un petit peu en parler, un petit peu plus au fil des vidéos. Apparemment, ça a été dit que les volants fonctionneraient dès la sortie, la version console. Donc ça c'est sûr, apparemment d'après ce qu'ils disent, hein, apparemment c'est sûr que ça marche dès la sortie. Donc très très content d'avoir cette info parce que moi ça m'intéresse. Alors pour ce qui est des boîtes à vitesse, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé parce que je fais beaucoup de recherches en ce moment sur ce jeu. Parce que je l'attends avec impatience. Hein, je vous l'avoue que je suis très très impatient de l'avoir. Pour ce qui est des boîtes à vitesse, il n'y a rien. J'ai pas d'infos. Aucune info. Donc je sais pas. Faudra voir. Alors est-ce qu'on pourra mapper tout ce qu'on voudra, nous? Sur les consoles comme ils font sur PC quand ils mappent leurs touches comme ils veulent. Est-ce qu'on pourra le faire sur PC, sur console? Je sais pas. Je sais pas si on pourra le faire.
Comme il y en a certains qui disent, normalement on a exactement la même version que la version PC. Alors, tout ce qui est mappage de touche, je pense pas que ça en fasse partie. Le jeu par lui-même sera exactement le même. Après, voilà. Comme je vous dis, moi, il me tarde de l'avoir. Hein. Oups. Bah, de toute façon, dès que j'attends un jeu, je suis un petit peu impatient. Hein. C'est pareil, après, je pense qu'après Truck Alaskan, ça va être Astrobot que je vais attendre. Parce qu'Astrobot, ça va être quelque chose aussi. Hein. Allez. Interdiction de doubler au camion. Ah. 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 Je suis un peu dans le caca là. Bah oui, mais j'avais commencé à doubler avant moi. Pour ça. On dirait qu'il y a un peu de brouillard par là. On va allumer les phares.
Strasbourg. On va sortir. Normalement, on est revenu en France. Ben oui, il y a le péage. Automatiquement, on est en France. Comment reconnaître la France au péage? Quand vous êtes sur l'autoroute, comment vous reconnaissez la France au péage? Ouais. Facile de reconnaître la France, hein, au péage. Dès qu'il y a un péage, vous savez que vous êtes en France. La route à nous, hein, quand même, les Français. Ouais, je l'ai senti. Eh ouais, là, je l'ai senti. Hein. J'ai senti, il est parti en glissade. J'arrivais pas à redresser. Alors si je glisse déjà sur du goudron sec, qu'est-ce que ça va être dans notre truc Alaska avec la neige et le verglas? Remarquez, vous me direz, je suis arrivé un peu vite aussi. Voilà, oh, c'est bon. Oh, oh, oh. Et c'est bon là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, dès qu'on va pouvoir trouver un heure de repos, on va se faire la pause. Parce qu'après, on risque d'être un peu coincé, je pense. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu un seul heure de repos, hein, quand même. Allez, on fait la pause.
J'ai fermé la porte. Est-ce que j'ai fermé la porte? J'ai pas l'impression que j'ai fermé la porte. Mais tout à fait. J'allais dire encore, ça marche pas. C'est moi que je regardais. Allez, c'est parti. Encore 137 km, c'est bon. J'ai remis le GPS pour les kilomètres, pour savoir le nombre de kilomètres qui nous restait un peu. Strasbourg. Et roule le petit bolide.
j'ai perdu le GPS en suivant Strasbourg par là. T'es complètement perdu. Ça y est, il s'est retrouvé. On est arrivé à Strasbourg, donc on va aller à la gare routière et on s'arrêtera là. Hein. Comme d'hab, on fait la conclusion ensemble et puis. Il m'a dit 26 km, d'accord, ok. À 30 à l'heure, on n'est pas arrivé, hein. Bon, on visite, hein. On est un quart de tourisme. Stéphane, je t'envoie un truc sur Messenger, c'est pour savoir comment t'avoir la planteuse. Tu liras les deux commentaires, c'est une capture des. Et là, il y a un rond-point. Ah, hop. Hop. Voilà. Voilà. Alors. Ça y est, on est limité à 50. 30 à l'heure, ça commence à faire un peu long. Allez, 50. Hop. Voilà. Voilà. Là, c'est limité à 100. Ah bon? Ah, mais c'est rouge. Ah mais je tourne là moi en plus. Ah ouais d'accord, ok. Alors, on va tourner ici. Après, mais après c'est... On va check, vider nos passagers, les faire descendre. On va rendre leur bagage et puis... la conclusion... qui va pas être très belle à mon avis hein. Parce que j'ai eu un sacré accident quand même, ça a pas pardonné hein. Je pense que le bus il est plié, il est plié le machin. Rester là, mais je vais rester là. Alors, ah ouais, d'accord.
Bah lui, il passe au rouge. Bah pépère. Il est daltonien, monsieur. Allez, 5 km et puis on est arrivé à destination. Ça sera le terminus. Oups. 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 Bus. Bus, c'est moi, bus. Jean-Claude Bus. Je suis Jean-Claude Bus. hop. Tic tac. Boum bam boum. On s'arrête. Voilà, on a déverrouillé Strasbourg, hein, qu'on n'avait pas déverrouillé. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est fait. Hop, 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 hop. La conclusion. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Au revoir. Vous avez vos bagages, c'est bon. Hop, je ferme ça. Et je ferme ça. Et du coup, ben, on va s'arrêter là. Donc, on fait la conclusion. La conclusion qui va nous dire si on a bien travaillé ou pas. Alors, au niveau des passagers transportés, 12 sur 13, c'est normal, parce qu'on en a laissé un sur place. Arrivée ponctuelle. Tac. Propriété endommagée 2. Conduite 1. Ouais. Donc, continuer. Donc, bah, ouais, du coup, on est arrivé ici. Alors, on est à Strasbourg. Alors, dans le prochain épisode, je ne sais pas où on va aller, hein, du coup. On va peut-être partir, on viendra peut-être par la faute. On va essayer de se taper une zone de travaux un petit peu, ça changera un petit peu. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!